on a beaucoup travaillé. Et puis surtout aussi, j'aime comment on travaille. Parce que là, c'est quelqu'un qui me fait travailler dur. C'est ça que moi-même j'aime, en fait. Parce que là, je ne veux pas que ce soit un travail facile pour moi, en fait. Et puis, j'ai fait les choses avec lui que je n'ai jamais fait. C'est ça l'important. Et puis, derrière, après aussi, je vois le résultat, quoi. Tu vois. Et c'est ça que moi, j'aime, en fait. Voilà, je sens que j'ai vraiment progressé avec lui au moment de la préparation physique, quoi. Et j'ai vraiment aimé, quoi. Bah en fait, le lundi au vendredi, je laisse souvent Will plutôt charger toute la partie technique et la partie prépa pour tout ce qui va être boxe, MMA. Et moi, je me charge plus de la partie préparation physique pour ses entraînements. On travaille tous les dimanches matin ensemble et on fait vraiment pour travailler son explosivité, son endurance et tout ce qui va aller avec. Et l'objectif, c'est vraiment de faire performer encore plus physiquement pour que quand il arrive aux entraînements avec Will, il soit encore plus performant. En fait, moi, je me charge vraiment de la préparation. On fait beaucoup d'haltéro ensemble. On fait de la préparation plus vitesse-explosivité. On va arriver sur quelque chose où on a une contraction, puis après, on arrive sur une explosivité. On est vraiment plutôt dans la salle cross-training qu'on a ici. Et on n'est pas trop souvent avec des poids là-bas. Après, on utilise beaucoup de poids libres, surtout, parce qu'en fait, c'est ceux qui nous intéressent. On veut que les muscles stabilisateurs soient utilisés et que tout ce qui va être force de frappe, explosivité, le fait de remonter, soit puissant. Pour moi, il est prêt. Et pour moi, il est prêt, il n'a jamais été aussi prêt. Et il va tout défoncer mentalement, c'est un guerrier. Et physiquement, c'est un monstre, c'est une machine de guerre. En fait, nous travaillons tous les aspects du combat. Que ce soit au sol, que ce soit la lutte, que ce soit le striking. On prépare, on respecte nos adversaires. On les prépare vraiment, vraiment, on va dire très, 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 très difficilement. Donc Bolo est professionnel aujourd'hui, il va faire son deuxième combat pro. Je pense que avec l'aide de Benjamin à la prépa physique, il a plein essor de son potentiel. J'espère que le combat sera rapide comme le précédent. Et puis, j'ai totalement confiance en lui. Et bon, moi, avec mon coach, on travaillait ensemble tous les jours, presque tous les jours, sauf dimanche. Et dimanche, parce que je serai avec mon coach préparateur physique. Sinon, après lundi jusqu'à samedi, lundi à samedi, on travaille en fait. Et dans la semaine, si c'est temps fort, c'est matin et soir. Déjà, je m'entraîne deux fois par jour en fait. Bon, par jour, je veux dire 4 heures par jour. Voilà, parfois aussi par jour, on sera 5 heures. Mais samedi, c'est 6 heures. Je suis prêt à affronter n'importe qui en fait. Et comme je dis, c'est le meilleur qui gagne. Et c'est moi le meilleur en fait. Je ne suis pas prêt que mon premier adversaire. Je me suis préparé pour tous les combattants de mon côté en fait. Bon, même s'il veut échanger encore un autre qui vient, je le prends en fait. Je suis là pour me combattre quoi. Il me fait travailler à la mentale, genre à affronter n'importe qui, tu vois, n'importe quelle personne, tu vois. Un combattant, pour moi, il doit combattre. Et on a eu malheureusement Dulatov qui s'est blessé. Donc on nous a proposé Elias Jacoubi en sachant que Bolo a signé pour 4 fights sur cette organisation. Donc nous on s'en fout, s'il faut prendre quelqu'un, on le prend. On l'a étudié rapidement, Bolo il a fin de combat, donc on a dit allez on y go et puis on va le faire, il n'y a aucun souci. De toute façon il est professionnel et aujourd'hui normalement tu dois pas regarder le nom qu'il y a derrière, tu es professionnel, tu dois affronter quelqu'un, tu l'affrontes, voilà. Alors, on a signé pour 4 fights sur cette organisation allemande. Si Bolo gagne ses 4 fights, il est sélectionné pour l'Octagon pour le tournoi à 1 million. Le prochain tournoi à 1 million qui aura à l'Octagon, normalement, il serait parti si le contrat s'y remplit toutes les conditions du contrat. C'est-à-dire gagner ses 4 fights. L'UFC, c'est le leader mondial du MMA, puisqu'il y a tous les meilleurs combattants chez eux. Après, c'est créer d'autres organisations et ces autres organisations aussi sont là pour promouvoir
et aider les combattants à émerger et à être connus. Faut savoir que c'est un sport qui m'a beaucoup canalisé, qui m'a beaucoup mûri. Et c'est un sport que je recommande à tout le monde, pour ceux qui manquent de confiance en eux, pour peu importe ce qu'ils traversent dans leur vie. C'est vraiment du dépassement de soi. Et parfois, on apprend même à se connaître et à découvrir des muscles qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est vraiment un sport que je recommande. Je pense que dans peu de temps, peut-être que ça sera juste derrière le foot. Je pense que c'est une évidence. Puisque depuis 2022, quand ça a été légalisé, ça n'arrête pas d'émerger. Ça n'arrête pas d'émerger. Après, il faut trouver une bonne structure, des bons coachs qui ne seront pas que là dans l'aspect combat, qui pourront aussi soutenir, aider les jeunes, parce qu'il y a aussi de l'éducatif là-dedans. Et aujourd'hui, moi, je suis fier aujourd'hui d'être dans la Drôme et d'avoir fait un premier athlète pro. Franchement, je lui fais confiance. Je sais que je lui donne ça à faire, il va le faire. Et il sait que ça dépend de ses performances et de ses objectifs. On a des objectifs et on est aussi content que vous êtes venu aujourd'hui nous interviewer. Et franchement, on ne cherche pas la lumière. On cherche vraiment à réaliser sur des performances, à représenter notre ville, qui est Valence, à l'international et partout. Donc voilà, j'espère que Bolo va faire un bon combat et qu'il aura le soutien de sa ville comme quand il y a eu le VMT. Des jeunes de notre club, en fait, moi, je les aimais bien parce que là, ils sont là, physiquement et mentalement aussi. Et puis, ils progressaient aussi jour après jour. C'est ça l'important. Et puis aussi, cette année, on a réussi de faire champion de France. Et c'est ça aussi que je vois, que franchement, il n'y a pas que moi, en fait. Je vois que derrière moi, il y en a aussi, ils travaillent, quoi. Parce que là, support combat, c'est une carrière, en fait, tu vois. Genre, moi, je ne veux pas être là toute ma vie, en fait. Et à un moment donné, il faut quelqu'un qui me remplace, en fait. Voilà, je vois que franchement, les jeunes, ils commençaient à prendre la route. Voilà, et du coup, c'est ça l'important pour moi. Genre, je ne veux pas être là juste moi seul, quoi, en fait. Je veux vraiment voir aussi, derrière moi, il y a quelqu'un qui va arriver, qui vient dans notre club, en fait. Genre, un futur, en fait. Et voilà. Et du coup, c'est ça l'important pour moi, quoi.